Salut les moteurs poteaux et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et ouais, vous le voyez, il est de très bonne heure et je suis pas dans mon décor habituel, tout simplement parce que là, je vais prendre la route pour un long voyage qui va nous emmener, pour moi, réaliser un rêve en tout cas. Donc, on est parti pour 8 heures de route à peu près. Et puis, on va se retrouver régulièrement au cours du voyage. À tout de suite. Me voilà donc parti pour une longue route qui va me mener dans les Hauts-de-France, dans le département de l'Aisne. J'ai décidé ici de prendre les petites routes, et grand bien m'en a pris, puisque je crois que désormais, il est hors de question, sauf urgence, que je prenne l'autoroute. C'est tellement plus reposant, tellement plus agréable, et tellement moins soporifique de passer par ces nationales. Franchement, je vous le recommande, mais on arrive. Et c'est le circuit de Folembray qui nous accueille en ce frileux matin d'avril. Un petit briefing, une décharge de responsabilité, et me voilà avec tout le YouTube game du simracing pour réaliser un rêve, celui de piloter une voiture sur circuit. Les freins répondent... Notre hôte Franck, que je remercie très chaleureusement, qui s'occupe donc de la société Tractoise, qui nous met à disposition des voitures de course pour un nombre maximum de tours. On sera seul dans la voiture. Bref, on va vraiment, vraiment profiter du game. Voie niveau d'usure du pneu. Donc ça sera à vous de loger. Encore quelques instants à patienter et on pourra enfin poser nos fesses dans le baquet de cette voiture. Et voilà le moment de découvrir nos montures pour cette journée. Alors, il s'agit de petites monoplaces, vraiment tout tirikiki, mais mouse costaud, 850 kg, avec un moteur de Toyota Yaris qui développe entre 125 et 140 chevaux suivant les modèles. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, quand on n'a jamais vu ça de près, et qu'une voiture de course, c'est un petit peu fait de briques et de brocs. Et pour citer Phil de Car Racing, qui était présent lors de cette journée, eh bien, là où les simracers veulent le must du must et que ce soit beau, etc., eh bien, dans le monde de la course automobile, le beau, le confort, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est que ce soit efficace. Et je peux vous dire que cette voiture, elle est diablement efficace. Regardez-moi ça, comme c'est beau, c'est minimaliste, c'est ultra léger, et vous allez le voir, les sensations sont absolument incroyables. Allez, il est temps de s'installer à bord. Vous me voyez là prendre place à bord de la voiture numéro 5. Et voilà, c'est l'heure de prendre la piste et on va littéralement s'éclater. Mais quand je dis s'éclater, c'est vraiment s'éclater, donc dans cet Arena Center de Folembray. On est donc seul au volant de la voiture, on découvre tout de A à Z, les trajectoires, les repères de freinage, le comportement de la voiture, mais aussi la sonorité, les odeurs. C'est un vrai bonheur.
aucune aide dans ces voitures, c'est vraiment un gros karting, pas d'ABS, pas même de direction assistée, on ressent absolument tout, c'est carrément génial et vraiment bien bien loin du sim racing. Au niveau des conditions de piste, on a eu droit à peu près à tout. Piste sèche, piste grasse, piste mouillée, piste très mouillée et même piste patinoire à cause de fuites d'hydrocarbures en pleine trajectoire. Pas facile, ça m'a valu quelques petites sorties de piste, deux pour être précis, une petite et une un petit peu plus grosse sur laquelle j'ai littéralement ramené le bac à gravier avec moi dans les stands. Mais comme m'a dit un vieux sage, les seuls qui ne font jamais de sortie de piste, c'est ceux qui ne vont jamais chatouiller leurs limites. Allez, je vous emmène à bord. Une course devait avoir lieu en fin de journée, malheureusement ça n'a pas été possible vu que la piste était un petit peu trop dégradée, mais il n'empêche qu'on a tous passé une journée absolument inoubliable, ponctuée de petits débriefs entre chaque session. Au total, plus de 2 heures de pilotage seul dans la voiture. Autant dire que chez Tractoise, on se fout pas de votre gueule. D'ailleurs, n'oubliez pas que ce rêve est à la portée de tous. Vous avez même 10% de réduction grâce au code MOTORSEB. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez en savoir plus. En tout cas, une chose est certaine, quand on voit les sourires sur les différents visages, quand on voit le plaisir qu'on a tous pris, c'est absolument extraordinaire cette journée. Un gros, gros, gros merci à Tractoise pour nous avoir permis de réaliser ce rêve.
Eh bah, moi, je suis comme un gosse. Je suis comme un gosse, c'est Noël, là, avant l'heure. Parce que bah, pour moi, c'est un rêve qui se réalise. J'avais jamais piloté en réel sur circuit, que sur simulateur. Et pour le coup, bah, c'est, voilà, c'est la grosse nouvelle expérience. C'est les odeurs, c'est les sensations, c'est le son. C'est extraordinaire. Et c'est une voiture qui en voit vraiment beaucoup. Et voilà, puis là, en plus, avec la pluie, c'est encore plus de sensations. Voilà. Et voilà, c'est sur une petite coupe que se termine cette journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type d'expérience. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, le petit like de l'amour qui fait super plaisir. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route. Et bien entendu, soyez sages au volant. Kenavo !